Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. Dans la gamme actuelle BMW, trois systèmes d'exploitation différents existent au niveau des écrans d'infodivertissement. Chacun a ses spécificités, mais tous permettent d'écouter la radio en DAB+, depuis qu'une directive européenne impose à tous les constructeurs d'intégrer la radio numérique à toutes les voitures neuves vendues depuis 2021. Alors, comment fonctionnent ces trois systèmes d'infodivertissement et comment y accéder à la radio numérique en DAB+? Je vous détaille ça tout de suite. Me voici tout d'abord installé dans une BMW équipée du système le plus ancien, le système ID6, qui se présente sous la forme de cet écran qui renferme des tuiles sur plusieurs écrans d'ailleurs, des tuiles que vous allez pouvoir réorganiser en maintenant le doigt sur une des tuiles. Vous voyez, vous pouvez les déplacer d'un endroit à l'autre. Ici, en partie de gauche, on se retrouve avec donc la partie média radio. Et on a ici un exemple typique de voiture qui est équipée du DAB+, mais ça ne se voit pas au premier regard. Pourquoi ? Parce que là, volontairement, je l'ai mise en FM et quand on appuie sur la station de radio, eh bien, on a le choix entre toutes les stations disponibles en FM. À aucun moment, on ne voit le DAB+. Comment faire alors pour accéder au DAB+? Eh bien, vous n'appuyez pas ici, mais bien juste au-dessus sur la partie média radio. Et là, vous allez avoir le choix entre FM, sur laquelle elle se trouvait, AM également, toujours disponible dans cette voiture, l'audio Bluetooth, USB et la partie DAB qui nous concerne ici au-dessus. Et là, le changement, il est radical. Pourquoi ? Parce qu'à droite, vous le voyez, eh bien, se trouvent de manière assez visuelle eh bien, les infos qui sont envoyées par le DAB+, par la chaîne DAB+. Et puis ici, directement, s'affiche le nom de l'artiste et également le titre du morceau. Et vous allez pouvoir la naviguer entre toutes les stations qui sont disponibles. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, voilà, vous êtes sur une station de radio en particulier, vous allez pouvoir évidemment la mémoriser. Hein, bien sûr, le système de mémorisation, il est toujours là, il est toujours présent. Et puis, quand vous êtes sur ces stations de radio, eh bien, vous allez pouvoir aussi la passer en mode plein écran. Ça, c'est plutôt sympa. Certains l'apprécient en tout cas. Vous allez pouvoir donc profiter d'un des plus du DAB+, c'est ce diaporama, hein, ces slides qui vont s'enchaîner sur l'écran et visuellement proposer quelque chose d'assez sympa. On n'en est qu'au début et ça va vraiment évoluer dans le futur. C'est l'un des gros plus du DAB+, toutes ces informations associées. Donc par défaut, quand vous allez vous retrouver sur le DAB, eh bien vous allez pouvoir faire comme en FM, c'est-à-dire mettre les favoris, on l'a dit. Ici spécifiquement au DAB+, eh bien vous allez pouvoir le mettre en plein écran, afficher en plein écran ce diaporama et puis avoir des informations plus spécifiques, notamment liées au programme. C'est quelque chose qui pourrait être amené à se développer, c'est-à-dire retrouver ici exactement ce qu'on retrouve à la télévision, c'est-à-dire un guide radio comme on a un guide TV. Voilà, donc sur ce système d'exploitation ID6, qui est le plus ancien, je le disais, disponible actuellement chez BMW, on a quelque chose de forcément plus rudimentaire que ce qu'on retrouve sur des systèmes plus récents. Mais donc, on a bien le DAB+ qui est disponible, mais pas au même endroit que la FM et les stations AM. Autrement dit, il faut un petit peu chercher. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans ces menus pour éventuellement eh bien, passer de la FM au DAB+, de manière extrêmement physique et concrète, à savoir via le menu de cette voiture. On peut bien sûr personnaliser le menu. Alors, il se peut aussi que le menu ici, eh bien, il ne soit pas coché. Dans ce cas-là, il n'apparaît même pas. Donc là, il est intéressant, évidemment, de pouvoir aller dans ce menu personnaliser menu pour faire apparaître le menu DAB+, qui, si je le désélectionne, évidemment, eh bien, il n'apparaît plus du tout, ce qui serait évidemment pas génial. Vous pouvez gérer les appareils mobiles également, la tonalité. Donc ça, c'est les réglages plus traditionnels radio qu'on va retrouver dans cette BMW, hein, comme dans tous les autoradios disponibles. Mais donc voilà, partie média radio et bien cocher effectivement la case DAB. Me voici à présent installé dans une BMW équipée de l'OS 7, le système d'exploitation le plus répandu actuellement dans la gamme BMW.
Alors, il se présente sous la forme d'un écran d'accueil que vous voyez ici, sur lequel se trouvent des widgets sur 3 pages, widgets que vous pouvez organiser comme vous voulez. Et parmi ces widgets se trouve évidemment le widget radio qui vous donne un accès direct à la radio. Ici, on est sur les stations mémorisées, mais on verra qu'on peut accéder également à l'ensemble des stations. Tout dépend en fait du dernier menu sur lequel vous vous êtes arrêté. Si je reviens sur l'écran principal, eh bien vous voyez que la partie média ici est située en haut à gauche. Et dans cette partie média, outre les sources externes comme Spotify, le Bluetooth audio ou encore le screen mirroring, Apple CarPlay et Android Auto, eh bien vous avez accès à la partie radio, les fameuses stations mémorisées sur lesquelles on est arrivé via le widget radio et puis les stations reçues. Et dans ce cas-là, vous avez l'ensemble des stations qui sont disponibles là où vous vous trouvez. Alors par défaut, la voiture va tenter de privilégier la diffusion numérique en DAB+. Vous le voyez ici, elle a repris toutes les radios disponibles en DAB+ et ne les a pas reprises dans la liste en FM. Les stations disponibles ici en FM sont des radios qui ne sont donc pas disponibles en DAB+ sur cette zone en particulier. Alors, on peut évidemment se promener dans la liste. Quand vous vous promenez dans la liste, vous pouvez évidemment ajouter une station aux stations favorites. Et puis, vous avez des menus ici à droite. Alors, ajouter ou supprimer la station des favoris. On l'a vu, la recherche manuelle, mais qui n'a pas beaucoup de sens sur une radio équipée du DAB+, puisque justement, l'avantage, eh bien, c'est de pouvoir profiter d'une liste dans laquelle vous allez faire votre choix. Et puis, la possibilité, vous le voyez, c'est l'un des plus du DAB+, hein, cet affichage autre que le logo. Le logo, il va arriver au départ. Et puis, la voiture va télécharger le contenu du diaporama, comme on l'appelle, c'est-à-dire la succession de pages qui vont pouvoir s'afficher. Ici, par exemple, vous pouvez décider eh bien, d'agrandir l'image et de l'avoir donc en plein écran. Voilà, donc ça, on peut revenir en arrière. Agrandir l'image, donc c'est possible. Le programme DAB, c'est possible dans cette voiture. En tout cas, c'est pas encore actif, mais c'est disponible dans la voiture. La recherche manuelle, qu'on va peut-être pas utiliser tous les jours. Et puis, la possibilité d'ajouter ou de supprimer des stations, donc des stations mémorisées qu'on va retrouver ici, qui ne sont pas les mêmes que les 6 boutons, les 8 boutons qu'on va retrouver ici en dessous. Donc, c'est vraiment une catégorie à part qu'on va retrouver au niveau des stations mémorisées. On a la possibilité ici aussi, en bas à droite, eh bien, d'accéder aux réglages sonores. Donc, en conclusion, je dirais que l'accès au DAB+ dans cette voiture, il est facilité par le fait que la voiture elle-même va privilégier le DAB+ et retomber en FM lorsque le DAB+ n'est pas disponible dans une zone dite ou bien que la réception est un petit peu moins bonne. Me voici enfin dans une BMW équipée du système le plus récent, l'OS 8, le système d'exploitation le plus récent disponible dans la gamme BMW. Alors le principe, il est toujours un petit peu le même. À partir de l'écran de base, on a accès à différentes fonctions via ces petites tuiles, via ces widgets qui sont disponibles. Parmi ces widgets, bien sûr, le widget radio qui vous emmène directement sur la partie radio. Mais vous pouvez également eh bien, accéder à la partie radio via le menu média qu'on va retrouver ici à gauche. Dans le menu média, vous voyez qu'on arrive au même endroit, eh bien, il y a soit les sources audio, avec possibilité de switcher vers Spotify ou vers évidemment votre appareil mobile, et puis la partie radio évidemment. Dans la partie radio, on a, vous le voyez, une liste des stations captées, qui va eh bien, vous permettre de faire votre choix très simplement via le nom de la station par ordre alphabétique. Vous allez pouvoir sélectionner la radio que vous souhaitez écouter. C'est assez sympa, assez intuitif, et par défaut, ici aussi, eh bien, la radio va privilégier la diffusion numérique, la diffusion en DAB+. Quand ce n'est pas disponible ou bien quand la réception en DAB+ est moins bonne, la radio va switcher automatiquement sur l'équivalent en FM. Et on obtient, vous le voyez, en grand, un visuel qui est assez sympa et qui fait qu'on profite vraiment d'un des plus du DAB+, à savoir cette pochette qui est affichée et puis ce look and feel qui reprend les couleurs de la station que vous êtes en train d'écouter. Donc c'est vraiment assez sympa. On peut revenir en arrière ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'à droite, on a une possibilité de reconnaissance de titre, voilà, c'est disponible ici dans cette BMW. L'accès aux réglages sonores également, la fréquence manuelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Dans une voiture qui propose une liste aussi bien faite, ça n'aurait pas trop de sens. Et puis, possibilité, on l'a vu, eh bien, d'avoir également la possibilité de mettre en favori votre ou vos radios préférées. Voilà pour le détail de cette OS 8. Et on le voit, entre l'ID6, l'ES7 et l'OS 8, l'intégration de la radio numérique se fait de mieux en mieux. Et on a maintenant un système ici qui est vraiment extrêmement performant et qui va permettre très facilement d'avoir accès à la radio en DAB+. Il n'y a pas à chercher la radio en DAB+ sur l'OS 8, elle est directement là, sur l'OS 7 également d'ailleurs, ce qui n'était pas forcément le cas sur l'ID6 où ça pouvait être caché. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées partout à Bruxelles et en Wallonie.